Bonjour et bienvenue à cette capsule sur les stratégies de communication orale au cycle moyen. Pourquoi enseigner les stratégies de communication orale? On prend souvent pour acquis que les élèves connaissent et maîtrisent les stratégies de communication orale puisque les élèves parlent. Mais l'enseignement des stratégies de communication orale est bien plus qu'enseigner l'habileté de parler. Ainsi, il est important d'en faire l'enseignement explicite. Les stratégies à enseigner sont présentes dans le guide d'enseignement efficace en littératie de la 4e à la 6e année dans le fascicule 5 sur la communication orale. La démarche de l'enseignement explicite est offerte, et ce, pour les stratégies de prise de parole et pour les stratégies d'écoute. Le guide d'enseignement efficace sélectionne 7 stratégies d'écoute, soit démontrer du respect, activer ses connaissances antérieures, interpréter le langage non-verbal, traiter de l'information, vérifier sa compréhension, prendre des notes et réagir au message. Les stratégies sont en continuité avec les stratégies choisies pour le cycle primaire, soit de la première à la troisième année. Il est important de spiraler l'enseignement des stratégies afin de permettre aux élèves de bien intégrer ces stratégies et apprendre à les utiliser au moment opportun. Celles-ci seront utiles aux élèves dans de multiples situations, dans toutes les matières et pour le reste de leur vie. Le guide d'enseignement efficace sélectionne 5 stratégies de prise de parole, soit cibler l'intention du message et les auditeurs, établir et soutenir le contact, appuyer son message, clarifier son message et répéter sa présentation. Quelle que soit la stratégie d'écoute ou de prise de parole, celles-ci sont en lien avec le savoir-vivre ensemble. Il est important que les élèves comprennent que le respect de l'autre est visible lors de l'écoute et lors de la prise de parole. Toutes ces stratégies sont utiles dans toutes les matières et dans toutes les situations d'interaction sociale. De plus, une communication orale de qualité fait partie des compétences transférables que les élèves doivent développer afin de bien évoluer dans la société. En conclusion, dans le guide d'enseignement efficace, vous trouverez une série d'activités proposées pour travailler l'écoute et la prise de parole. Si vous assistez à la formation littératie de la 3e à la 6e année, nous vous proposerons des activités avec la pensée critique et le débat pour travailler ces stratégies. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec aidepedago@csviamonde.ca. Nous vous invitons également à aller visiter l'EEAV et cliquer sur l'onglet « Pupitre pédagogique virtuel » afin d'avoir accès à une panoplie de ressources. Merci et au revoir!